Thomas Sankara. La célébration du 73e anniversaire du capitaine Thomas Sankara. Dans le cadre de la commémoration du 73e anniversaire de la naissance du capitaine Thomas Sankara, l'association Jeunesse au Point Levé, en collaboration avec le Comité international Mémorial Thomas Sankara et les associations partageant l'idée sankariste, a organisé une cérémonie d'anniversaire à titre posthume du capitaine Thomas Sankara, ce mercredi 21 décembre 2022 à Ouagadougou. Des anciens collaborateurs du capitaine Thomas Sankara ont saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ancien président du Faso. Né le 21 décembre 1949 à Yako, le capitaine Thomas Sankara aurait célébré 73 ans ce mercredi 21 décembre 2022. Ayant malheureusement tiré à sa révérence un certain 15 octobre 1987, le père de la Révolution ne verra pas ses jours. Pour alors rappeler l'existence de ce grand homme et inscrire cette date dans la conscience des Burkinabés, l'association Jeunesse au Point Levé a tenu une cérémonie en son hommage. Nous avons tendu nos micros aux responsables de l'association Jeunes au Point Levé. Guy Innocent Nana, responsable de l'association Jeunes au Point Levé, s'exprime en disant: ce qui a motivé cet anniversaire, c'est au regard de tout ce que Thomas Sankara a été pour le peuple burkinabé et en particulier pour le peuple africain. De par ses actions, nous estimons que Thomas Sankara n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'aujourd'hui, Thomas Sankara est cité dans des pays X ou Y. Même ceux qui ne connaissent pas le Burkina Faso, ils vont se mettre à scanner Thomas Sankara. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est une fierté qu'il soit né au Burkina. C'est une fierté pour nous de le célébrer. C'est une fierté pour nous de marquer que Thomas Sankara n'est pas mort à travers ses idées, a indiqué Guy Innocent Nana, responsable de l'association Jeunesse au Point Levé. Cette commémoration qui a connu la participation de la famille et des proches de Thomas Sankara était riche en émotions. Par là, les anciens collaborateurs du président Sankara ont témoigné de la qualité de l'homme. Pour le colonel-major Blaise Sanou, Sankara était un grand visionnaire. Le conseil d'escadron des chasses a été initié par le président Thomas Sankara parce que très vite, il avait compris que la défense du territoire ne pouvait se faire sans une armée de l'air. Par ailleurs, le Comité international Mémorial Thomas Sankara a souhaité que la commémoration de l'anniversaire de Thomas Sankara soit une fête grandiose dans les années à venir. Ce faisant, des mesures ont déjà été prises pour donner satisfaction à cette plaidoirie. Siri Frédéric Cambou. Merci de nous avoir suivis. Si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez apprécié nos apports d'informations, merci de nous laisser un pouce qui donne beaucoup de soutien. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Take care. Ciao.